Salut les filles, on est parti pour le deuxième jour du MVTDD. Donc j'ai tout branché. Je vais vous montrer comment j'ai branché ça. Rien de plus simple sur un DD. Je te retourne mon petit copain et puis je te montre ça tout de suite. Donc voilà. Bon alors rien de compliqué. On a le stator, tac tac tac, avec une prise là, enfin avec une gaine, avec une prise. J'ai passé ça là. J'ai un merdier de fil, les gars, par contre. Donc, la prise, c'est pas compliqué. Elle se branche au CDI. Elle arrive ici, en fait, au final. Tac. Et ça se branche directement sur le CDI que j'ai placé ici pour le moment avec un petit Colson, Rizlin. Vous appelez ça comme vous voulez. On s'en bat les couilles. Donc, ça se branche, voilà, directement ici. C'est pas compliqué. Donc, il y a une masse qui est comme ça. Donc, tout cela, c'est les masses. Donc, il y a une masse comme ça à brancher sur la bobine, donc est branché derrière, je l'ai mis derrière pour pas que ça soit devant. Donc tout ça c'est que des masses, c'est ce qu'il y avait déjà d'origine sur la mobilette, sauf celui-là qui est tout neuf. Donc celui-là il est tout neuf, mon copain. Donc voilà, branché sur la bobine, et il y a un fil noir qui part donc de celui-là, tac, qui va à la bobine aussi directement avec une cosse. Là on peut pas se tromper. Et après au final il reste ces deux fils-là, donc les deux fils qui correspondent à au plus 12 volts. Donc moi j'en ai un qui est pas branché, je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée, il me sert à rien. Tac, et j'ai branché l'autre plus donc sur mes phares. Phare avant, phare arrière. Voilà. Tu lui mets une petite fil d'antiparasite avec un antiparasite et normalement ça démarre. Voilà. Va falloir essayer ça. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire après? Il va falloir remettre les carters sur le côté là pour pas se faire pécho par les Schmitt. Puis on verra un peu moins les fils. Enfin, je repasserai mieux que ça de toute façon. Il me reste les autocollants à mettre de l'autre côté, les amis. Et les petites poignées en orange aussi qui vont rappeler le rappel. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va essayer de la démarrer. Hein. Ça va être compliqué, ça, de tenir le téléphone. Démarrer en même temps. On va essayer. Je rallume le petit mégot. Il veut pas s'allumer, mon copain, le mégot. Là, ça y est. Bon, allez. On allume l'essence. On recule la bilette. Yo! D'après vous, ça va exploser ou ça va pas exploser? Moi, je pense pas. Hein. Je monterai dessus, ce serait plus simple pour la pousser. Brout, brout, 2,40 mon gars compteur. Non, je déconne. Je recule à l'aveugle, je sais même pas où je vais. Brout, tant que je bourre dans rien, tout va bien. C'est ce qu'il faut se dire. Allez, recule ma cocotte, recule. Brout, brout. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Vous croyez que je vais pouvoir démarrer comme ça en poussant? Me donnerait. Qu'elle ne tente rien à rien, mon copain. Allez, on essaie ça. Oh, ça, je vais jamais pouvoir pousser assez. Hein. Eh, j'essaie de la démarrer. Oh, alors, je vais te poser. Attends, je vais te poser. Ah, oh, vivement la fin de ce confinement de merde. Si je vous pose là comme ça, vous allez voir quelque chose. Ouais, vous allez voir quelque chose. Eh, elle a pris notre gueule quand même. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai le garde-boue à polir à l'avant. Où j'ai mis un petit coup de peinture, je sais pas, parce qu'il est mat. Elle a pris une sacrée gueule quand même. Bah, je trouve un truc pour te poser vite fait. Tiens ça là-bas. Si ça va le faire, on va bien voir. Hop, hop, hop là, je te pose ici, mon copain, et je la démarre. La petite flamme, putain, il y a trop de vent.
C'est bon. Ça démarre bien, mon chef. C'est plutôt pas mal tout ça. Allez, c'est chauffé un peu. Le ralenti, il est pas trop stable, hein. Fais gaffe de pas me péter la gueule, les copains. J'aurais l'air d'un con. T'imagines, toi, deuxième clavicule en vrac, mon ami. Oh, bah ça part, hein. Ralenti, me part un peu bas. Elle embraye toujours hyper vite, hein, regardez. Hop, elle part. Hop, elle part. Si vous avez une idée de pourquoi elle embraye aussi vite. Ah, le ralenti, il est pas au top du G-top. Hein. Hop. Putain, il mouille en plus là. Oh bah voilà mon copain pour le démarrage. Hein. Je vais m'occuper de mettre les petits autocollants. Mettre les petits carters, passer les fils mieux que ça. Il faudra aller faire un tour sur route. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Oh bah, j'ai failli péter ma gueule. Bon mon ami, je colle les autres petits autocollants. Enfin, on voit ce qu'on fait après, hein. Oh bah mon chef, vidéo hyper rapide. Hein. Et que veux-tu, j'ai oublié les autocollants à la maison. Et ouais, avec ma tête de poisson rouge, bah voilà. Voilà ce qui se passe. Donc bah j'ai pour les autocollants, j'ai pour les... j'ai rien pour bosser en fait, c'est la mort. Et puis il vient de se mettre à flotter comme une vache qui pisse, tu vois le truc. Donc je pense qu'on bah, on va s'arrêter là, ça sera une vidéo un peu courte. Mais au moins elle sera pas chiante à regarder celle-là, tu vois, ça ira vite. Là, t'as 5 minutes, tu regardes la vidéo, basta, tac, c'est terminé. Bah ouais, bah voilà, il me restera les autocollants, comme je disais, découper les carters et tout, donc je sais pas si on le fera ensemble. Parce que je pense que je vais découper les carters à l'arrière, là, parce que ça dépasse, attends, je vais te montrer vite fait. Je trouve que ça dépasse beaucoup. J'aime pas trop beaucoup ça, moi. Alors ça va aller comme ça. Ouais, ça dépasse, c'est pas beau, regarde. Ah, j'aime pas. En fait, c'est l'arrière, là-bas, là. C'est l'arrière, non, de l'autre côté, là, où il y a mon petit doigt, là-bas. Tu vois mon petit doigt, là? Est-ce que tu le vois? Il te fait coucou, mon petit doigt. Et ben, en fait, là, ça dépasse vachement au niveau. Putain, je peux pas le tenir, là. Attends, je vais mettre l'autre de l'autre côté, mon ami. On va mettre l'autre de l'autre côté, il va tenir. Bon, après, il va y avoir les petites barres chrome de rappel, normalement, qui vont dessus. Là, ils sont en dessous parce que... non, ça veut pas tenir, mon copain. Si, ça y est, ça tient. Attends, je te retourne. Voilà. Ah putain, il pleut comme je sais pas quoi là. Ah, je peux pas me reculer assez loin, les gars. Je suis contre le mur. Attends, j'essaye. Là. Donc, tu vois, je pense que là, le carter, je vais le découper là. Je pense que je vais le découper soit par là, soit par là. Faire quelque chose de beaucoup plus propre. Parce que là, ouais, j'aime pas trop quand c'est comme ça là. J'aime pas trop beaucoup ça, mon copain. Bah, il va falloir les repeindre aussi, ceux-là.
Enfin non, je vais pas les repeindre, je vais passer un coup de polish dessus et tout, ça va le faire briller. Je pense que je ferai pareil avec le garde-boue avant. On va bien voir. Donc bah voilà, il me reste ça à faire, mon chef. La vidéo touche à sa fin, hein. Comme je te disais, petite vidéo rapide. J'ai rien emmené pour bosser. Et puis en plus, l'ami, ça vient de m'appeler. J'ai pas les clés pour rentrer et à part embaucher. Donc faut que je me rentre à la maison. La petite mousse-most, les gars. Petite mousse-most avec des autocollants que je vous montrerai. Je les ai pas emmenés non plus, donc je peux pas te montrer là. Et ça sera le futur truc à gagner, les gars. D'ici avant Noël. Ah, normal, comme c'est Noël. Oh putain. Mon père redémarre la Ferrari, mon ami. Donc voilà. Que dire de plus? Bah rien, comme d'habitude. Si t'es pas abonné, abonne-toi, mon copain. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Balance un petit commentaire. Pour les connaisseurs de 103 ou de mobilette, là, dites-moi pourquoi ça embraye aussi vite là. J'aime pas trop beaucoup ça, moi. Je préfère qu'elle prenne un peu plus de tours avant qu'elle démarre. Enfin, avant qu'elle parte, tu vois ce que je veux dire. Donc, ben voilà, moi je vais te souhaiter une bonne fin de semaine, mon ami. Je sais pas si je referai une vidéo quand on mettra les autocollants ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se fera une vidéo sur route. Ça. C'est sûr, mon ami, on n'a pas le choix. Va falloir la faire fumer, la mobilette. Donc, bah voilà, bonne fin de semaine à toi. Et puis, bah, prenez soin de vous. Hein. Je suis pas à la porte. Le gros fait la sieste. La sieste, le gros. Voilà. Viens dire bonjour. Eh. Fais bisous. Oh, bah, c'était un petit bisou, ça. Ouais, c'est mieux, ça. C'est mieux, ça. Bon voilà, je suis pas à la porte, je suis rentré malgré qu'on n'a pas pu faire grand chose. Je voulais te montrer un petit truc, je te retourne une fois de plus. J'adore vous retourner moi. Et puis je te montre ça. Ah, tu vois mon copain, je te dis que je recommence à avoir un peu d'autocollant, donc il va falloir en faire gagner un peu quelques-uns. Donc on fera ça dans une vidéo bientôt. Comme je te disais tout à l'heure, là, avant Noël, hein, on fera ça. Il n'y aura pas de problème. Et puis, je suis en train de tester un truc là, sur la petite imprimante là qui est à côté. Je sais pas si tu vois un peu ce que ça peut être. Ah, salut Groot. Check man. C'est un carter Euro 3, les gars. Carter allumage Euro 3. Donc, je suis en train de faire un essai. J'ai fait la petite plaque comme ça aussi. Donc là, c'était censé être blanc, ça a bugué. Hein. Enfin, je l'ai arrêté avant. Hein. Donc, c'est un premier essai. Je fais un essai pour voir. Donc voilà, premier essai du carter Euro 3. Je ferai des Euro 2, sûrement des Nitro aussi. Mais bon, je me suis pas encore penché sur la question. Voilà, je voulais juste vous montrer vite def hein, où on s'en est sur la 3D. La bécannerie, mon chef. Donc voilà. À la prochaine.